fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pour aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bien qu'on se détende ensemble avec un petit massage. Ça te dit? Massage du visage, du cou, du dos, des épaules, comme tu préfères. De quoi t'as envie? Ça pourrait se faire, bien sûr. J'ai un peu de temps devant moi, donc on peut en profiter. Alors juste, t'étais dehors avant, non? Ouais, je vais te nettoyer le visage d'abord. Je savais que t'accepterais. Donc j'ai pris avec moi ma petite trousse où j'ai rangé les produits que je voulais utiliser pour ta peau. Allez. Hop. C'est un sérum anti-pollution pour nettoyer ta peau. Je mets un petit peu dans mes mains. Hop. De ton nez, sur les tempes, le menton, attends, je vais en rajouter un peu. Le menton, hop, et puis je viens d'abord faire un petit peu mousser. Et maintenant, je fais bien pénétrer le produit. Ça va, c'est pas trop frais. Mon visage est tout propre, je vais pouvoir te mettre une crème. Je reprends ma petite trousse. Maintenant, je prends le soin hydratant. Les sons de, tu sais, quand on débouche une crème, les sons de couvercle. J'en mets dans ma main. Poser délicatement partout sur ton visage.
Ouais, ça sent bon. Commence doucement le massage. Hop là. J'appuie un petit peu pour que tu ressentes fasse du bien. Et en même temps pas trop fort. Ouais, je peux en remettre un peu. Fermez les yeux. C'est fait pour ça de reposer. Hop là. Ouais, c'est sur cette zone, ça fait beaucoup de bien. Je tapote un peu. Stimule un petit peu ta peau. Est-ce que ça te fait du bien un peu, ça te détend? Parce que c'est le but. En tout cas, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Ça faisait vraiment longtemps. J'en ai pas fini avec ton visage. Je me disais que ça pouvait être bien si j'utilisais, tu sais, mon petit rouleau pour te le passer un petit peu tout autour, sur la zone T, au-dessus des sourcils, même un petit peu dans le cou. Ça peut te faire du bien, c'est un peu frais. Et là, voilà. Je commence avec le petit rouleau sur les zones les plus fines de ton visage. Hop là. Donc ça fait pénétrer le produit un peu plus et puis ça fait du bien tout simplement. En bas sur le menton, juste en dessous de la lèvre. Au niveau du nez, t'aimes bien. Hop, tu tes sourcils comme j'ai dit. T'as une peau tellement jolie.
on s'en moque des imperfections. C'est pas ça qui fait que ta peau n'est pas jolie. Et je vais utiliser le plus gros rouleau pour faire un peu au niveau des tempes, des joues et puis sur toute la partie supérieure du front. Tu peux essayer, comme un petit exercice, de fermer les yeux à mesure que je passe le rouleau sur ton visage. Plus le rouleau approche, plus tes yeux se ferment. Ne lutte pas contre le sommeil. Je suis là pour m'occuper de toi. Si je t'endors, ce sera le pari réussi. Donc je le prendrai pas mal. Du visage. Voilà. T'as l'air tout détendu, tout détendu. Soit on continue sur le visage, soit je peux passer plus au cou et aux épaules. Parce que je vois que t'es en train de t'endormir, donc peut-être que ce serait bien pour justement te détendre encore plus, tu crois pas? Super. Mais je peux continuer le visage hein, si tu veux, de toute façon on pourra le refaire quand tu veux. Allez, encore quelques secondes, et après on passe aux épaules. Alors, je vais juste dégager tes cheveux pour bien avoir accès aux épaules. Voilà. Ça te dérange pas que je te touche sur cette partie-là? Non. Ok, super. En plus de mes produits, pour la peau, une petite huile de massage. Des épaules. En fait, ça va détendre tes muscles, ça va chauffer ta peau et ça va rendre mes mouvements plus fluides et plus doux. Tu vas voir, elles sont très bonnes. L'odeur n'est pas très forte. D'un coup. T'as vu? Ils sont trop beaux. Et hop, je viens l'appliquer sur le haut de tes épaules et le bas de ton cou. Et je vais pouvoir commencer le massage.
bien aussi au niveau du cou. Ne culpabilise pas de prendre un peu de temps pour toi. C'est absolument essentiel. Alors, je vais juste continuer ce massage. J'ai pris un mouchoir juste pour m'enlever l'huile des mains. Je vais continuer avec un petit ustensile fait pour. Tu connais? Bon, c'est tout simplement pour faire des mouvements rotatifs sur tes épaules ou ton dos. Et tu vas voir, ça fait trop du bien. Ça te dit? Un peu sur ton cou également. Exactement comme celui-ci. Mais je pense que tu connais. Regarde, je reprends ma petite trousse. Est-ce que ça te dit quelque chose? En fait, j'ai jamais trop su comment l'utiliser, mais je sais qu'en fait, avec tu. Tire la peau comme ça, enfin, tu le passes sur la peau et ça permet, je saurais pas exactement te dire l'utilité spécifique, mais en tout cas je sais que c'est utilisé pour la peau et le corps de manière générale. Pour faire, et je peux faire un massage avec si ça te dit. D'abord faire l'épaule gauche.
Oui, il est assorti à mon petit rouleau que j'ai utilisé tout à l'heure. L'épaule droite. Un petit peu sur le côté de ton cou. Tes yeux sont qu'est-ce que tu dirais pour terminer ce massage de petite papouille, parce que je te connais. C'est que je t'ai ramené. Bah oui, je sais que t'adores ça. Et je me suis dit, tant qu'on est dans le massage, autant terminer par un massage crânien. Qu'est-ce que t'en dis? T'es partant, partante? Je trouve que c'est encore mieux quand c'est quelqu'un qui te le fait. Parce que comme ça, tu peux t'endormir et ça continue quand même.
petit moment de détente que l'on réitérera. Un peu hypnotisant.